Bah, tout le monde qui a regardé nous, on te jette, c'est mercredi, c'est le jour des bambinos, c'est le jour des enfants. J'envoie yo la télé, j'entends yo la radio, yo la FM, quand t'es annoncé ça hier, on parle de j'autres pisse, hein, préparez autres, parce que si mon pays là, il y a un message bas autres. Ah, il y a un message qui est fort pour que tout le monde n'ait pas conscience. A quand vous avez un paquet de l'amour, grande Basté! Marie Galante, les sept, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Martin, Saint-Baut, Haïti, Saint-Domingue. Vous êtes fatigués, les gars? Non. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. Est-ce que vous êtes fatigués? Non. Est-ce que la poule d'eau? Non. Et nous allons continuer. La Martinique, la Dominique, la Guyane. La Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Québec, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, à Normandie, à Orléans, 91, 92, 93, 77, 78. Anouaï, frappez pour Akabrika. Anouaï! Why? Eh ben nous qu'écouter les autres. On ouais. Ou moto passé ou manqué trapé. Ou kaoulé ou
Capella. C'est pour yopé pas dire pas comprendre. 1, 2, 3, 4. Tous les jours, mon cas observé, tout ça au café, papa. Tous les jours, mon cas observé, tout ça au café, maman. Les nous qui a marché, les nous qui a roulé, les nous qui a drivé, voilà. Tension ça au gadi, tension ça au café, pour moi pas imiter ça. Oui, oui, oui. Applaudissons. Applaudissons encore. Bon, on va commencer par là, par là, par là. Qui veut commencer? Qui est prêt à parler? C'est par toi, on va commencer par toi. Tu auras de la caméra. Ton prénom, présente-toi. Qui es-tu? Je m'appelle Sydney Bélénus. J'ai 10 ans. Et je fais ce clip pour dire aux parents de faire attention aux adultes. Toute personne qui nous regarde, faites attention à la route. Alors, ma Sylvie, tu nous viens d'où? De quelle commune? Je viens de la Guadeloupe. Très bien. De quelle commune? Bémao. Bémao. De quelle école? Je viens de Pierre Mathieu. Est-ce que c'est la meilleure école à Guadeloupe? Oui. Oui, oui. Bah, largement. Pour les copains. Largement. Message pour les copains, tout ça là. Salut les copains! Salut la famille! Alors, tu es en direct là, tu as une minute en tant que joyau de la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu as envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent? Tout ce que tu veux dire. Maintenant, c'est toi la star.
C'est parti. 1, 2, 3, boum. Tout ce qui est sous ton cœur. Moi, je veux juste que les adultes fassent attention à la circulation, respectent la limite de vitesse, les panneaux, qu'ils ne fassent pas d'accident, que les motos n'aillent pas si vite à 400 km/h. Mais je veux que moi, je veux que la circulation soit correcte, qu'il n'y ait pas d'accident sur la route, qu'il n'y ait pas d'accident nulle part ailleurs. Au-delà de la sécurité routière, quel est ton rêve pour la Guadeloupe? Moi, je rêve d'être vétérinaire pour soigner les animaux qui sont en difficulté. Vétérinaire, c'est ton rêve. Oui. Bon, rendez-vous dans 20 ans, hein, et on va faire une émission avec toi, le plus grand vétérinaire de la Caraïbe, peut-être le plus grand vétérinaire du monde. On l'applaudit, s'il vous plaît. Paye. Alors, tu regardes la caméra, tu te présentes. Alors. Vas-y, ma chérie. Vas-y, sois pas timide. Allez, c'est fini, hein, ça y est, tout le monde t'a vu, là. Bon, alors, on va passer à côté. Hein. Mais tout le monde te voit. Hein. Allez, tout le monde, tout monde va te cacher. Allez, on courage, on courage. Allez, vas-y. Allez, vas-y. C'est quoi ton prénom? Allez, vite fait, tu te présentes, c'est tout. Vas-y. Allez. Bonjour. C'est dur. Ok, on va pas la stresser. On l'applaudit quand même. On l'applaudit. Même les adultes qui sont assis chez eux, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile d'être dans la télé? Non. Est-ce que c'est facile d'être dans la télé? Non. Voilà, parce qu'on dit, hein, on dit supporter toujours en forme, mais c'est pas facile. On l'encourage. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Jaël Coquit. Mm-hmm. J'ai 12 ans et... Tu as 12 ans, tu habites où? À Bemao. D'accord. Alors pourquoi tu as participé justement à cette belle expérience? Parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents en Guadeloupe. Mm-hmm. Et il faut que ça change. On a changé d'année. Mm-hmm. Et on a déjà eu au moins plus de 2 accidents en janvier 2022. Mm-hmm. Donc, il faut que ça change. Pendant que tu en dirais, tout ce qu'il y a sous ton cœur en tant que jeune Guadeloupéenne, au-delà de la sécurité routière où tu peux aller, quel est ton rêve pour la Guadeloupe? Quel est ton souhait pour la Guadeloupe? Vas-y. Je ne sais pas trop. Ça a envie la famille, ça a été souhaité pour payer à eux, pour l'avenir à pays là, parce que c'est autres la relève de demain, c'est autres l'avenir de demain. Nous j'en passé, nous j'en viens. Hein. C'est ça qui gagne fin. Hein. Qu'on retire l'obligation vaccinale. Parce que il y a beaucoup trop de je sais pas trop. Beaucoup d'autres trop de. Ben, à cause de cette histoire de passe vaccinal, mm-hmm. Ben, ils ont commencé à faire des grèves et nous on rate l'école. D'accord. Donc tu aurais voulu, tu aurais souhaité qu'on... Qu'on aille à l'école et qu'on arrête cette histoire de passe vaccinale. D'accord. Eh bien, on applaudit. Voilà. Encore une fois, ça prouve que l'émission, eh bien voilà, c'est la vérité. Chaque monde doit dire, ressentir à yo, envie à yo, et ça que yo envie dit. Et toi, mon champion, présente-toi. Je m'appelle Aaron Filiol, j'ai 10 ans, je suis à l'école Pierre Mathieu, j'habite à Bemao. Ce clip, en fait, j'ai vraiment voulu le faire. Wow, voilà, là, attention. Pourquoi? Alors, mets le micro. Alors, attends. Est-ce qu'on l'entend bien, Payan? Mets le micro devant lui. Voilà, vas-y, allez, explique-nous tout. En fait, quand j'étais, parce qu'il y avait des auditions pour passer le chant, moi, j'ai donné tout ce que j'avais pour donner une leçon aux adultes, mais surtout pour que nous, dans le futur, on pendant que tu en dirais, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les adultes qui te regardent là?
faites attention sur la route. Oui. Pour pas qu'on reproduise ce que vous faites, pour ne pas faire de bêtises sur la route à notre tour en étant grand, en ayant notre permis. Donc, voilà, c'est... Ça va aller. Tu penses qu'ils n'ont pas bien, peut-être compris encore le message. Tu sais ce qu'on va faire, hein? A cappella. Quand ta voix, laisse pas t'entendre. C'est quoi le message que tu dis dans la vie? Hein? Rechante pour nous, pas tout seul. Pas tout seul. Ouais, le week-end déconfiné. Nous cueillons la plage décompressée. Allons direct sur le gosier. Mais où décider accélérer? Ou des boîtes sans clignoter. Mon moto passé ou ma qui trappé. Ou qu'a oulé ou pas qu'a gardé. Ou si téléphone qu'a WhatsAppé. Jeunesse en nous là. Ou qu'un bel nom même à toute jeunesse en nous. Bienvenue de demain. Présente-toi, regarde la caméra. Bonjour, je m'appelle Pharrell Théobald. Mm-hmm. J'habite à Calvert et je suis à l'école Pierre Mathieu. Moi, alors, le message que tu as pour nous aujourd'hui. Moi, j'ai voulu faire ce clip pour vraiment dire aux parents qu'il faut faire très attention à la route, parce que nous, les enfants, on est derrière et on vous regarde faire au volant. Et par exemple, si vous dites des bêtises ou que vous roulez mal ou que vous regardez votre téléphone en roulant,
eh ben on pourra faire pareil. Alors, faites attention à ce que vous faites. Attends, ça quoi dit nous la famille, ça veut dire que j'ai quand imité toute bêtise nous faisons quand imité. J'ai quand des photocopies, j'ai quand des hein, tout, j'ai pas imité bon là, c'est rien qui m'a fait la zone. C'est ça qu'on dit tous les parents regardez, c'est ça qu'on dit nous. Non. Vous êtes comme des esprits en train de nous surveiller comme ça. Bon, c'est comme ça qu'on fait ça. C'est ça. Il y en a certains qui. Alors, le message. Alors, au-delà du message de la sécurité routière, quel rêve que tu as pour le pays? Moi, c'est que. Ben. Toutes les choses qu'on fait qui sont mal, ah ben, qu'on les arrête pour que le monde soit meilleur. Déjà, et qu'on arrête de montrer, par exemple, que la Guadeloupe, c'est un pays. Où il n'y a que des mauvaises choses, où il n'y a que du n'importe quoi. La Guadeloupe, en fait, c'est pas une île où il n'y a que des mauvaises choses. Sous les mauvaises choses, ah ben, y a aussi eu ben, un grand cœur en dessous, et ben, c'est que personne ne le voit vraiment. Ou personne ne le montre vraiment. Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour en Guadeloupe? Oui. Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour en Guadeloupe? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amour en Guadeloupe? Oui. C'est tous les jours, ça des fois. Quand ça arrête, chicane, est-ce qu'il y a de l'amour? Dis, on a de l'amour, on nous crée de l'amour ensemble. 1, 2, 3, l'amour! 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 On applaudit. Tu vas donner à Axel ta place hein, parce que ouais, il y a un nombre donc nous allons essayer de faire ça tourner pour voilà, respecter les gestes barrières et tout. Voilà. Monsieur Axel, la casse de Monsieur Axel, senti beaucoup de pression. Les gars font son géant, j'en lente, petit, j'en tente, j'en. Qu'on l'a dit, un peu hyperactif. Je sens qu'il est un peu. C'est vrai ou pas? Oui. Ouais. Comment je sais ça? C'est bizarre, hein? Bah, ça se voit un petit peu. Alors, dis-nous tout, vas-y. Alors, bonjour, je m'appelle Axel. Et on m'a présenté ce clip pour dire aux parents d'arrêter de faire des bêtises sur la route. Mm-hmm. Et aussi de ne pas prendre leur téléphone car cela risque encore plus de faire des accidents. Surtout l'alcool, bah, ça te fait tourner la tête. Et du coup, tu ne peux pas rouler correctement et ça met plein d'accidents dans la Guadeloupe. Waouh, 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 waouh. Quel est ton rêve pour la Guadeloupe? Alors, mon rêve, c'est que la Guadeloupe se porte mieux et que les gens font tout leur possible pour rendre la Guadeloupe encore plus belle que ça, qu'elle en a l'air. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, on applaudit. J'ai une autre question pour toi. Depuis quel âge que tu joues au Gouka? Depuis 3 ans. Pourquoi? Bah, je sais pas exactement, mais ça s'est joué tout seul. Pour toi, attention, concentre-toi, ferme les yeux. Quelle est la définition du Gouka pour toi? Alors, l'amour. Waouh. Déjà, l'amour. On applaudit! Après? Parce que le Gouka, c'est mon meilleur instrument que j'ai jamais eu. Mm-hmm. L'instrument de mes rêves. Et c'est pour ça que quand je serai grand, je serai musicien. Waouh, tu veux être maître Gouka? Oui. Waouh, on va applaudir. Oui. Tu sais, je vais te donner une phrase que tu devras retenir toute ta vie. Tu es prêt à l'écouter cette phrase? Oui. Et l'imprégner dans ton cœur? Oui. Dans ton esprit? Oui. Mercredi dernier, il y avait les enfants. Et en fait, toute la cour Véranda était ici. Toute la cour Véranda avait un gros force vaillou. Et il y a une phrase qui est sortie dans l'émission. Retiens-la. Parce que le Gouka fait partie de toi. Le Gouka est la signature de la Guadeloupe. Waouh! Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là? Le Gouka est la signature de la Guadeloupe. Oui. C'est la cour Véranda qui dit ça là. Les Timouna à la cour Véranda qui dit ça, c'est plateau la mercredi dernier. Nous envoyons un gros gros force pour la cour Véranda. À toi, nous allons répéter la cour Véranda. 1, 2, 3. La cour Véranda. Le mou. L'amour. Encore. 1, 2, 3. La cour Véranda. L'amour. Le Gouka est la signature de la Guadeloupe. Le Gouka est la signature de la Guadeloupe. Thank you.
Waouh. Je suis en frisson. Avant de te remercier, tu peux retourner à ton tambour. Je sais que ton tambour te manque. Alors, vas-y, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Loan Ramsamy Fontan. J'habite à Vemao et j'ai 10 ans. Alors, quel est le message que tu as pour toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Ben, j'aimerais leur dire d'arrêter de faire n'importe quoi sur la route parce que nous, le plus souvent, on est devant notre âge et on voit tout ce qu'ils font, on les entend et aussi, on voit des fois nos parents s'insulter avec d'autres personnes. Des fois, on est dans les voitures et on fait des accidents ou on se fait bousculer et on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et ça nous... nous, on va faire les mêmes choses si ils continuent. Wow. Quel est ton rêve pour la Guadeloupe? Mon rêve pour la Guadeloupe, ce serait qu'ils arrêtent de laisser leurs animaux partir parce qu'après, on en voit partout, ils nous attaquent et c'est pas bien. J'arrête souvent, tu peux pas dire ça, vous êtes là. Je suis sous le... Vous avez compris? Oui. J'allais dire là, je suis sous le siège. Le siège, voilà. Comme la célèbre star de TikTok. Grand plaisir d'avoir. Alors, je finis avec les petits à propos au grand. Vas-y, ma chérie, regarde la caméra là. Présente-toi. Je m'appelle Maya Claude-Maurice Nanesi. J'habite à Bemao. Et je suis dans l'école Pierre Mathieu. Quel est ton message? Mon message, c'est que souvent, quand on est en voiture avec nos parents, on fait de petits accidents, sauf qu'un jour, ces petits accidents deviendront grands. Et que... Vas-y, vas-y. Et que la Guadeloupe finira mal. Ah là là, mon Dieu. T'as pas envie que les gens meurent, hein? Non. Regarde la caméra, c'est très important. J'aurais voulu qu'elle pleure, c'est parce qu'elle nie l'amour. Mais sache-là qu'elle veut délivrer là, il est fort. On l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. Wabap, attends, c'est la vérité, ça fait spécial, pas ni montage. Peut-être que les gens disent, ouais, je suis dans ce pays. Non, c'est qu'elle a un vrai message pour vous. Prends conscience, tout le monde qui écoute nous. Elle a un vrai, mais elle pleure. Vas-y, la caméra est devant toi. Et ce que je souhaiterais pour la Guadeloupe, ça serait que nous, Guadeloupéens, on aille voir les Français et les autres pays et qu'on leur dise qu'on n'en peut plus, qu'on montre que des mauvaises images de la Guadeloupe et qu'au fond, la Guadeloupe, c'est merveilleux et que la Guadeloupe, c'est plein d'amour. Pour la Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe devienne mieux et que si les Guadeloupéens veulent devenir indépendants, qu'on arrête de faire nos bêtises et qu'on ira plus loin. T'as notre message? Non. C'est tout? Oui. C'est sûr? Oui. Le message aux parents, aux grands-parents. Coucou. Voilà, on applaudit. Vas-y. Bonjour, moi je m'appelle Jade Blérol et j'ai 10 ans. J'habite à Petit-Bourg et je suis dans l'école Pierre-Mathieu. Donc déjà, j'aimerais bien envoyer un petit message à Chelsea, celle qui chante le troisième couplet. Bon, juste, je sais pas si elle va regarder Canal 10, mais... Elle va regarder, t'inquiète pas, c'est World of Fire, le WePlay, pour regarder sur Facebook, pour regarder sur YouTube. T'inquiète pas, je suis sûr qu'elle regarde. On va lui dire, allons lui envoyer un gros bisou. Tout à l'heure,
toute façon, tu vas t'appeler. Vas-y, pourquoi t'as fait ça dans la télé? Vas-y. Alors, le message que tu as envie de délivrer à toutes les personnes qui nous regardent, il est lequel? Alors, moi, quand on a dit qu'on allait faire une musique à l'école, je me suis dit, ah, d'accord et tout. Mais je ne pensais pas qu'elle serait au créole et qu'en plus, elle parlerait de la sécurité routière. Mais au final, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que moi, tous les jours, je vois ma mère quand elle conduit. C'est fou. Hey, ouais, attention, regarde, maman, regarde. Maman, elle est pas là, maman. Maman est là. Elle est dans sa voiture. Ma! Ah bon, maman, parce que je l'aurais appelé. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle conduit, non? Elle te regarde où? Aïe, 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 aïe. Quand maman conduit. C'est ouh! Maman! Maman, quand tu conduis, faut pas que ça soit ouh! Déjà, les mots, ils sortent fiup de sa bouche. Quel mot? Ah, il y a quoi? Le pas, faut pas dire le mot. Ah, j'ai pas compris. Donc, elle est très truc. Elle est. Ah, quand ça conduit un peu interactive, quoi. Elle, non, agile. Mais c'est parce que, en fait, bon, je dis pas que c'est forcément de sa faute, mais parfois, elle met pas son clignotant pour passer. Et elle met pas son clignotant? Oui. Non, juste, oui. c'est rare, juste c'est rare. Hey, maman, ah non, faut pas trop dire, maman, a des problèmes. Là, je pense que tu as pas de cadeau de Noël, ni cadeau d'anniversaire. Bon. Allez, bon, qu'est-ce que maman fait encore? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais, la dernière fois, on a vu un monsieur, il était dans sa voiture et en fait... Attends, maman est devant là? J'entends des talons, c'est pas elle? J'espère que c'est pas elle qui arrive. Non, elle porte pas des talons aujourd'hui. Bon, ben c'est pas elle. T'es sûr? J'entends tac tac tac. Bah, continue, je regarde pour toi, si jamais elle rentre, vas-y. Mais du coup, en fait, c'est un virage, on va dire. De un tournant, oui. Elle était au milieu et il y avait une autre voiture qui allait passer. Sauf qu'en fait, il y avait un stop pour la voiture et maman, elle allait passer, la voiture allait faire bioum dans la voiture. Dans notre voiture. Wow. Donc... En fait, je voulais parler aux Guadeloupéens et à toutes autres personnes qui sont en France et tout ça. Voilà, tout le monde. Voilà pour leur dire, s'il vous plaît, ne fumez pas, ne buvez pas la nuit. Et quand vous conduisez, s'il vous plaît, parce que franchement, hier soir, quand on était en train de rentrer chez nous, on a vu un gros accident. Mais genre, il y a deux voitures, elles ont tourné, elles se sont percutées, oui. Et après, il y en a une, elle est tombée dans... Oui, voilà. Et il y en a une autre, elle s'est retournée. D'accord. Alors, au-delà de la sécurité routière, quel est ton rêve pour le pays, pour la Guadeloupe? Ah, bon. J'aimerais... Ça, depuis que je suis toute petite, hein, ça. Je l'ai dit souvent à ma grand-mère. C'est-à-dire, quel âge? Quand j'ai commencé à marcher et parler... Bon, attention, je vais avouer, Gavin, quel âge que tu as? J'ai 10 ans. 2 ans. 10 ans. Quel âge que tu as là? 10 ans. Dans 10 ans, attention, j'ai encore senti quelqu'un venir aux élections là. Hein? Bon, attention, songez, premier télé, ils ont voué là. J'en ai 10 ans parce que je sens qu'elle va mettre le pendule à l'heure. Alors vas-y, alors, dis-nous. Quand tu étais toute petite. Quand j'étais toute petite, j'ai dit à ma grand-mère que j'en avais marre de voir plein de déchets par terre. Mais vraiment, qu'en fait, c'est même pas seulement en Guadeloupe en fait. Parce qu'en France, je vois pire. Je vois vraiment pire. Mais en Guadeloupe, comme c'est mon pays, je voudrais au moins qu'ils essayent de changer en Guadeloupe parce que quand tu vas au Gosier, à Sainte-Anne et à Pointe-à-Pitre, et ben franchement, c'est vraiment pollué et moi j'en ai un petit peu marre. La dernière fois encore, j'ai vu une machine à laver par terre. Wow. Dans la rue. Alors pour l'instant, c'est justement un message pour toutes les personnes qui polluent en fait. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire? Vous voyez une poubelle? Vous avez un déchet dans la main? Vous le jetez pas à côté, ok? Vous le jetez dans la poubelle. Ouais. Ouais. Non. Mais Yann, ça quand même avec tes fesses spéciaux. Quand il dit ça, tu vas quoi faire? Ah, c'est pas aussi. Vas-y. Quand vous voyez une poubelle et que vous avez un déchet dans la main, vous ne le jetez pas à côté, jetez-le... Vas-y! Jetez-le dans la poubelle! Non, faut recommencer, Yann fait ça bien propre à la fin! Ne fais pas trop tôt, tu vas te concentrer, Yann! Ah là là! Vas-y! Quand vous avez vu une poubelle et que vous avez un déchet dans la main, ne le jetez pas à côté, jetez-le dans la poubelle, s'il vous plaît. Bon, alors, je crois que je pense que tout le monde. Tu as un autre message? Oui. Vas-y.
Le dernier, après, c'est... Enfin, je peux vas-y. Dire quelque chose. Vas-y, 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 vas-y. Moi, je ne compte pas vivre en Guadeloupe. Pourquoi? Plus tard. Eh ben, parce que je transpire trop. Non, mais pas pour ça, mais pour plein de raisons. Et aussi parce que ma famille, en fait, ma maman, elle aime pas beaucoup la France, du coup, elle est venue vivre en Guadeloupe. Mais du coup, moi, toute ma famille, elle est en France. Mais est-ce que tu es née en Guadeloupe? Oui. Ok. À la clinique. Hein? À la clinique à Petit, à Bimao. Bon, je vous jure que quand je vous reçois, la semaine dernière, je recevais la couvéranda. Je pense que tous les mercredis, je vais dédier mon émission aux enfants de la Guadeloupe. Parce que vraiment, vous êtes des trésors. Et franchement, ça me... Là, vous ne le voyez pas, mais je pleure dans mon cœur. Mon cœur saigne parce que... Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas d'avenir. Mais vous êtes la preuve vivante qu'il y a de l'avenir dans le pays. Des fois, on aime minimiser les jeunes, les plus jeunes, les plus petits. Mais quand je vous écoute parler, quand je vois vos actions, tout ce que vous faites. Et je parle de tous les enfants en Guadeloupe. Hein. Franchement, je suis fier de vous. Et je tiens à vous applaudir. Allons applaudir toute la jeunesse. Vas-y, après, passe à tes copines. Vas-y. Allez-y. Du coup, vraiment, mon dernier message, oui. C'était pour une dame qui a percuté l'ami de ma maman. Mais vraiment, ses blessures, elles étaient incroyables. Et en fait, ça, vraiment, ça m'a traumatisé à vie. Wow. Parce que mon tonton, il était à moto, mm-hmm. tu vois. Mais c'est très rare qu'il fasse sa moto en short et en t-shirt. Mais c'était vraiment parce qu'il allait faire une petite course et il revenait. Et en fait, y a une dame, elle était au téléphone. Il y avait 4 enfants derrière, dans sa voiture. Et la dame, elle était au téléphone, elle n'a même pas vu mon tonton. En plus, ils étaient en hauteur. Elle a percuté. C'est même pas ça, hein. Elle a failli rouler sur lui. Wow. Et du coup, il avait une grosse blessure là, comme ça. Un bobo au coude, un bobo au genou. Et carrément, sa jambe, elle était déchirée. Enfin, pas, elle n'était pas détachée, mais voilà. Et heureusement, le visage, il n'avait rien. Bon, je vais refaire les émissions, les mercredis, tu seras invité. Je pense que, ouais, il faudra venir. Tu voudras venir? Oui. D'accord. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire à part ça, pas grave. Je voulais aussi dire aux Guadeloupéens que les jeunes peuvent être égaux aux adultes parce que sur certaines choses... Je pense que... Attends. Yann, mettez un gros plan parce que là, il ne peut pas pleurer encore. Là, il est chaud, il est déterminé. Mettez un gros plan, écoutez ce qu'il a dit. Vas-y. Sans vouloir vexer les adultes, je pense que sur certaines choses, les enfants sont plus doués ou réfléchissent mieux. Oui. Et que... Sans vouloir vous vexer, messieurs, mesdames. Et que, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on est un peu comme les photocopieuses ambulantes de nos parents. J'entends, messieurs, mesdames. On applaudit. Alors, bonjour, je m'appelle Mélodie Jean-Pierre. J'ai 10 ans et je viens de l'école Pierre-Mathieu et j'habite à Bémao. Et alors, le message que tu veux délivrer cet après-midi, est lequel? Alors, déjà, pour commencer, quand j'ai entendu qu'il y avait des auditions à l'école, mm-hmm. je croyais pas du tout que j'allais participer à la chanson. Mais au final, j'ai été prise et j'ai été très contente de faire la chanson. Et le message que je voulais apporter aux adultes, c'est qu'il faut bien faire attention sur la route. C'est qu'avant de prendre la route, il ne faut pas boire et il ne faut pas rester sur son téléphone parce que ça peut vraiment causer des accidents graves. Et parfois, les accidents, ça peut choquer certains enfants. Et voilà, et qu'il faut vraiment faire attention. Ton message? Mon message... Pour la Guadeloupe, ton rêve? Mon rêve, c'est que les gens, déjà, premièrement, comme elle a dit, c'est qu'ils arrêtent d'abandonner leurs animaux, parce que c'est vraiment triste. Qu'on arrête de jeter nos... Par exemple, quand on va à certains endroits, on voit qu'il y a plein de bouts de verre étalés partout par terre, sauf qu'il y a des poubelles pour mettre dedans. Donc, il n'y a pas forcément à écraser par terre. Parce que c'est pas nous qui ramassons. D'accord. On t'applaudit. C'est à toi. Vas-y. Je m'appelle Océane Babel-Bolvec. J'ai 10 ans. J'habite à Petit-Bourg.
et je suis à l'école Pierre Mathieu. Quand j'ai su qu'il y avait des auditions, comme mes camarades, j'étais très contente. J'ai voulu participer parce que je me suis dit que ça était bien de partager, de transmettre aux adultes qu'il faut améliorer leurs mauvaises habitudes sur la sécurité routière. Et j'ai aussi trouvé sympa que ce soit nous qui transmettons parce que c'est nous l'avenir. Mon rêve pour la Guadeloupe, c'était de, en tout cas, arrêter les magasins qui se font casser et que au moins le peuple vive en harmonie. Quand j'étais petite, je pensais que la France était bien, que je voulais aller vivre là-bas, tout ça, tout ça. Après, plus j'ai grandi, plus j'ai réalisé que mon peuple et la Guadeloupe étaient formidables, que je préférais leurs traditions, que le gros cas, ben, j'aimais, que j'aimais mes cheveux crépus, j'aimais tout ça, quoi. Donc, voilà. J'ai trop bien. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Bajéa Mathéo, j'ai 9 ans et j'habite à Bémao. Alors, quel est ton message pour toutes les personnes qui nous regardent? Mon message, c'est que toutes les personnes, elles doivent arrêter de boire avant de conduire et de regarder leur téléphone pendant qu'elles conduisent. Mon rêve pour la Guadeloupe, c'est que les gens arrêtent de en fait, comme il y a trop d'accidents, je voudrais que ça s'arrête. Voilà, merci. Alors, qui n'a pas encore parlé? Vas-y. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, je m'appelle Néphélie Lidal, j'ai 9 ans et je suis à l'école Pierre Mathieu, j'habite à Convenance. Quel est ton message aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous regardent? J'aimerais vraiment que les personnes de Guadeloupe se concentrent, même du monde, se concentrent un peu plus sur la route. Et en fait, même, par exemple, mon père, enfin, je sais pas s'il me regarde, je vais pas le vexer, hein. Tu veux pas vexer ton père? Oui. Attention. Là, ça va chauffer. Alors oui, on t'écoute, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Eh ben, même aujourd'hui, on en a la danse, il a regardé un message sur la route. Aïe. Tu n'auras pas de cadeau d'anniversaire, je pense. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, justement, à tous les pères, à toutes les mères, à tout le monde? J'aimerais qu'ils fassent un peu plus attention sur la route, qu'ils regardent pas leur portable en conduisant, qu'ils ne boivent pas avant de conduire. Et voilà. Et alors, c'est quoi ton rêve pour la Guadeloupe? Alors là, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux souhaiter? Non, je ne sais pas trop. Alors, vas-y. Et toi? Bonjour, je m'appelle Faélis Théobald. J'ai 8 ans, j'habite à Bémao. Je suis à l'école Pierre Mathieu. Et ce que je voudrais dire pour la Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe doit s'améliorer et que les gens arrêtent de voir que la Guadeloupe est mauvaise, et voilà, et qu'au journal on montre plus de choses belles dans la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, en vrai, elle est très belle, et qu'on arrête de montrer que des choses qui, par exemple, qui polluent la nature, des choses, parce que moi j'aimerais beaucoup voir aussi des belles choses de la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, elle est vraiment très très belle. Alors, quel message que tu as pour toutes les personnes qui nous regardent? De faire attention à la quand vous roulez et d'arrêter de faire trop d'accidents,
et faire plus attention et ne pas boire de l'alcool trop souvent, au moins de temps en temps. Et d'arrêter de boire et de pas boire des choses un peu comme l'alcool, voilà, avant de conduire. Alors, on va espérer que les journalistes, on va les chatouiller un petit peu, hein. J'entends ça, ils disent, il y avait des belles nouvelles, des bonnes nouvelles, il y avait voir des images positives, pas que, hein? C'est ça que vous dites aux journalistes? Oui. Quel message que vous avez pour les journalistes? Pour les médias, pour les animateurs, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Montrer, qu'ils montrent des choses belles. Alors chaque personne va se dire un truc, c'est parti, on commence. De montrer des belles choses à la, nature. Mm-hmm. Arrêter de montrer n'importe quoi, de montrer une mauvaise image de la Guadeloupe. Qu'ils montrent les plages, par exemple. Qu'ils arrêtent de dire que la Guadeloupe, c'est un déchet. Vas-y. Qui disent que la Guadeloupe, même s'il y a beaucoup d'accidents, elle est belle et voilà. Qu'on soit fiers d'être noir. Ouais. Redis ça encore. Qu'on soit fiers d'être noir. Qu'on aime notre île et que être noir, c'est un pouvoir. C'est pas facile. Bon, alors, qui veut dire encore? Quel est un message pour les journalistes? Allez-y, c'est votre émission. J'aimerais que les journalistes arrêtent de dire que la Guadeloupe, c'est... Si vous l'avez aux oreilles, comme ça. Voilà. Comme que ça. La Guadeloupe... Arrêtez. Vous n'avez pas arrêté. Arrêtez, mes voyants. Vas-y. J'aimerais que les journalistes arrêtent de dire que la Guadeloupe, c'est du n'importe quoi, que la jeunesse fait n'importe quoi, qu'ils arrêtent de montrer les policiers en train d'arrêter les jeunes. Et même, les policiers, ils arrêtent les gens pour n'importe quoi, ben, qu'ils fassent leur travail correctement un peu. Je comprends que c'est pas facile, mais voilà, les journalistes aussi, ils font n'importe quoi. Moi, je dis arrêtez. La vérité sort dans la bouche des enfants. Voilà. Vas-y. La caméra est devant toi. Hein. Qu'on soit égaux aux Français et à tous les autres pays du monde. Waouh! On va tout de suite la vérité. Bien souvent, nous, en tant que parents, les gens qui nous ont parlé, nous disent ah, on n'a pas le temps, on est pressé, on est occupé, on est sorti du boulot, on est fatigué. Mais on est en l'hôpital, dis-nous. Il faut nous prendre un moment de temps en journée nous pour consacrer, en nous passer le temps avec nous, et en nous apprendre à coûter. On est en l'hôpital, quand on est à dis-nous, parce que bien souvent, nous comprenons que c'est rien qui nous parle, qui a des problèmes, mais il y a aussi des problèmes parce que nous vivons dans le même monde. Là. Et que même si la Guadeloupe est une petite île, elle restera grande dans nos cœurs. Voilà, alors on va passer aux adultes. Hein. J'envoie ça à Théo, alors qu'on met ça aussi. Regarde la caméra, vas-y, présente-toi. Alors, bonjour, moi je m'appelle Borval Léon-Sandrine. Mm-hmm. Je suis auteur, compositeur et c'est moi, en québécois criole plutôt. Hein. Mets-toi à l'aise, hein. C'est moi qui ai écrit chanson là, ça. Mm-hmm. Et pourquoi? Parce que, comme on dit, c'est Timouna, il y a au cœur des choses. C'est Tigraine en nous qu'elle nous a planté pour y avoir des pieds bois et des forêts plus tard en Guadeloupe. Mm-hmm. Il faut y avoir des forêts de bonnes choses, des forêts de bons fruits. Tous les jours, nous avons dit c'est Timouna, il faut dire bonjour, il faut dire au revoir. Aïe, dit mamie, aïe, bonjour, aïe, beau, aïe, beau, un tel. L'on rentre en côté, la politesse. Nous toujours disons, yo suivre les bonnes mœurs de la vie, mais pourquoi nous pas qu'à faire même bite là quand il s'agit de la conduite. Donc réflexion, moi, partie de ça, et puis voilà, si mon homme aussi, langue à yo, pas un poche à yo, même pour bon matin là, en radio, mettons souligné un pied à yo, parce que quand on l'a fait de haut là, si mon arrêté, dis-moi,
Mais maman, toi non plus, t'as pas de chaussures. Oui, rien de ça. Donc, tu voulais arrêter et dire, mais maman, toi non plus, t'as pas de chaussures. Donc, ça a prouvé, moi, encore, que chanson là, écrit là, qu'on tapait dans la cible. Parce que l'homme, quand il n'a pas les bas, il gagne un cœur directement. Il n'a pas qu'à y prendre de côté, il va rentrer là, puis sortir. Ou toujours qu'il est en train de dire, ou toujours qu'il comprend, et ça qui est toujours résonné en tête. Là, quand il fait une remarque, ça peut être même poil qui l'homme adulte qui fait une remarque. Donc, pour moi, ça c'est important que si on a passé message de sécurité routière là, ça, et en comptant aussi qu'il y a envie de continuer. Il y a envie de continuer faire ça. Après, nous, on va faire un même passage. Et enfin, on est là. Alors, nous, on va venir voir Mr. Funky. Talent! Parce qu'il est là, le gros boss, il est là, ils ont envoyé un fond là, hein. On a tous autres, hein. Parce que tous les pays qui ont blagué, qui ont mis des métal à l'impression, ils sont sur Guadeloupe. Ah, disent, je voulais que tu signes avec Rihanna. C'est ça quand c'était, il y avait un Cardi B. Je vais appeler Cardi B tout à l'heure pour voir, hein. Si Mr. Funky, elle va lui faire un esprit. Excuse Cardi. Ah, c'est ça, Miss Radio. Oh, bah ouais, regarde, hein. Mais honneur aux femmes et on vient à peu près de toi après, Mr. Funky. Vas-y, présente-toi. Bonjour, bonjour à toute la Guadeloupe. Je suis Nadia Crantor, je suis enseignante à l'école élémentaire Pierre Mathieu. Je représente toute l'équipe pédagogique de l'école Pierre Mathieu. Madame Lérimont et Madame Péramore sont venues vers le directeur pour lui proposer ce projet. On avait déjà travaillé avec elle l'année précédente sur un projet sécurité routière. Et là, elles ont voulu mettre les choses un petit peu plus haut, atteindre un niveau supérieur. À ce moment-là, le directeur leur a dit qu'il allait en parler à l'équipe pédagogique. C'est ce qu'il a fait. Nous avons adhéré. Nous nous sommes dit, oui, c'est un bon message, c'est un projet positif pour la Guadeloupe, dans lequel nous pouvons engager nos élèves, puisque ça correspond à un pan du programme de l'éducation nationale. Donc on n'est pas hors clou, là, on est en plein dedans. En enseignement moral et civique, on est censé travailler avec les enfants sur le code de la route, sur apprendre à comment se comporter sur la route en tant que piéton, mais aussi en tant que, par exemple, quand ils sont à vélo, en tant que chauffeur. Voilà. Donc, ils passent le permis piéton à l'école. Ils passent aussi une attestation qu'on appelle la PER, quand ils sont en CM2, qui valide toutes les compétences qu'ils ont acquises dans le domaine. Voilà. Du coup, effectivement, ils vous ont dit qu'ils ont passé un casting. Oui, ils ont passé un casting. Ils ont passé un casting avec moi, en l'occurrence, puisque c'est moi qui les ai écoutés chanter. C'est moi qui ai choisi le petit groupe. Voilà. Alors, personnellement, c'est personnel maintenant. Comme les enfants, parce que tu ne vas pas y rager. Après, tout le monde a fait. Quel est ton message par rapport à la sécurité routière et quel est ton rêve pour la Guadeloupe? Vas-y. On va commencer par le message pour la sécurité routière. Vas-y. Ah ben, les parents, vous avez entendu, je pense. Je pense que le message est très clair, que les enfants se sont exprimés, se sont bien exprimés. Ils ont bien fait comprendre qu'ils n'en peuvent plus. Maya, qui est à côté de moi, nous a lâché quelques larmes. Parce que oui, je pense que nous avons tous un parent, un ami, qui a été victime d'un accident de la route. Et que oui, on n'en peut plus. Que quand on regarde les informations, quotidiennement, on a droit à des accidents. Et dans les voitures, les enfants sont assis derrière, ils regardent leurs parents, ils entendent leurs parents, ils voient ce qui se passe sur la route. Non seulement ça les choque, je pense, mais en plus, ça contribue à faire d'eux des chauffeurs, plutôt des chauffards de demain. D'accord. Voilà. Ensuite, mon rêve pour la Guadeloupe, c'est un pays magnifique, comme les enfants l'ont dit. Nous avons une chance extraordinaire. Nous vivons dans une île merveilleuse. Mon rêve pour la Guadeloupe, c'est, oui, comme ils l'ont dit, qu'on voit au-delà des problèmes que nous avons. Nous avons des problèmes, mais il y a des problèmes dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Il faut qu'on se mette ensemble, comme les Haïtiens disent, tête collée. Et qu'on réussisse à surmonter ça. C'est ce que j'espère pour mon pays. Voilà. Alors, Mr. Funky, qui n'est plus à présenter, hein, déjà, c'est. Hein, franchement, les enfants, vous avez fait un show avec Mr. Funky? Mr. Funky est avec vous? Oui. Vous avez enregistré dans un gros studio là-bas? Oui. Un gros studio?
Et quand vous êtes dans le gros studio, vous savez qu'il était assis, tout ça, le casque, tout ça, casque, tout ça, dans le gros studio. Vous savez ça? Un applaudissement, monsieur Christophe. Eh bien, la famille nous va écouter, hein? Oui, mais le micro bien devant toi, je te laisse faire, tu es spécialiste, vas-y. Non, j'ai été agréablement surpris par, par le projet, parce que j'ai trouvé que c'était, c'était une super idée. Et j'ai été aussi surpris de voir mon fils démouler au studio. Papa, je fais mon couplet. Non, je ne savais pas. Donc oui, c'est Aaron qui a participé à la chanson. Mais au-delà de ça, Dali m'a appelé pour me dire, Francky, tu sais, on a une idée de projet, est-ce que ça t'intéresserait de participer, etc. De recevoir les enfants au studio. C'est toute une organisation de recevoir une classe. Ah ouais, ah ouais, c'est clair. Avec leurs parents, parce que tout le monde veut... Tout le monde veut voir, tout le monde veut participer. Et en fin de compte, on avait prévu pas mal de, une belle plage horaire pour cette séance. Et on s'est rendu compte que les enfants étaient plutôt à l'aise. Je les ai trouvés plutôt à l'aise pendant la séance. Et j'ai été franchement agréablement surpris. Avec des super voix, des super timbres. On n'était pas dans l'enregistrement amateur. Là, ça, on partait vraiment dans du professionnel. Et franchement, pour ça, il mérite vraiment un coup de chapeau. Alors, tu vois, après regarder, bon, parce qu'elle nous connaît, nous, mais après chaque message que cette Simona t'a roulé, ça t'a touché nous, en fait, nous qui grands. Ah ouais. Est-ce qu'on t'est tollé parce que tout ça nous t'en après-midi là? Ah non, mais là, c'est. Franchement, je suis sur mon siège, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis surpris. Je parce que Pélanie, il y a mon cagade, nous l'a dit, ah, c'est Chicanos qui dit yo, c'est Victor Fouaki, c'est l'école là qui dit yo. Non, c'est Simon a parlé en liberté, c'est vrai ou pas? Oui. Chacun s'est exprimé selon son cœur. Selon son cœur. Ah, on oublie souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Et je pense qu'il faudrait plus souvent leur laisser la parole. Mais pas seulement ça, c'est aussi les écouter en réalité. Voilà. Et moi, je tiens à le dire, tous les mercredis, eh bien voilà, quand il a laissé jouer là, ça pour lui, c'est le Mambino, ouais, voilà. Parce que non, faut que nous bat, hein, future génération, nous, plaçant société là. C'est ça, nous pas arriver faire. Eh bien, faut nous commencer à faire. Alors, alors maintenant là, en 2022, à part parler encore, eh bien, nous avons fait action. À partir de mercredi dernier, c'est déjà parti. Hein. Tous les mercredis, c'est les Bambino. Nous avons pour tous les Bambino. Tous les on repart encore parce qu'il faut écouter le clip. Le clip sur YouTube. Comment, où trouver le clip? Alors, sur toutes les plateformes. Mm-hmm. Donc, les Spotify, les YouTube. Je sais pas si je peux en veux tout. Oui, allez, vas-y. Toutes les plateformes. Je les connais pas tous parce que bon. Toutes les plateformes de téléchargement légal. Voilà, toutes les plateformes de téléchargement. Téléchargement là gratuit. Donc, télécharger. D'ailleurs, en parlant de téléchargement, nous avons un challenge restant l'école en Guadeloupe. Mm-hmm. Parce que chanson là, ça, il a apporté éducation routière. Mm-hmm. Et nous avons aimé que c'est l'école là, qu'elle fait une petite vidéo et qu'elle va montrer nous que. Il n'y aura pas ni en classe à eux. Attends, non, ça faut commencer, ça va être spécial. Yann, préparez-vous, effet spécial. Boum! Ok, voilà, mais ça va à toutes les écoles de Guadeloupe. Donc, voilà, toutes les écoles de Guadeloupe, comme chanson là, ça a porté éducation routière, nous avons aimé vrai Timouna classe à Zot chanter en vidéo. Donc, faire en vidéo, Zora savent que ces Timouna n'ont pas ni droit ni TikTok, etc. Mais Zot enseignant là, l'adulte, ou même les représentants des parents d'élèves, parce que c'est nous les représentants de parents d'élèves qui à l'origine aussi de projet là ça, et ben mettez autres et puis c'est tout nous là, font lit en AGPO, fait en vidéo, chantez refrain là, chantez chanson là, mettez ici TikTok et puis mettez hashtag tension challenge et puis voilà. Redire ça encore hashtag tension challenge. Hashtag tension challenge. Vous équipe là. Ça fait moins mal. Tous les jours, mon gars observe tout ça au café, papa.
sur le gosier. Mais où décider accélérer? Ou déboîter sans clignoter? Ou moto passer ou manquer trappé? Ou caouler ou pas cagader? Ou si téléphone qu'à WhatsApper? Ben, on revient avec monsieur le directeur. Alors, monsieur le directeur, quand tu vois justement tous les élèves de ton établissement, le travail qu'ils ont fourni avec le clip, avec l'attention et le comportement exemplaire qu'ils ont eu sur le plateau, quelle émotion que tu... Quelle émotion que tu... Ben, le directeur, que je suis, ne peut être que content. Ah. Et là, pour terminer, je voudrais, puisque tout le monde a parlé, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Il y a pas mal de personnes. La liste est assez longue, mais je remercie tout le monde, que ce soit au niveau de l'association des parents d'élèves, l'équipe enseignante, les enfants bien entendu, mais tous les partenaires qui ont joué le jeu. Ah, monsieur Franck, je vais vous remercier vivement, monsieur. Oui, absolument. On a Dali, Bigor. On a monsieur Congré pour le clip. Bien entendu, la préfecture, les gendarmes, les pompiers, la mairie de Bimaro, un parent d'élève, Pizziaiolo, qui nous a servi le repas le jour du clip, hein, puisqu'on a passé toute la journée à tourner. Il fallait quand même manger et boire. Il y a des parents qui ont emmené de quoi nos... Satisfaire, oui, absolument. Et je veux souvent oublier, mais il y a eu pas mal de personnes. Et voilà un projet d'équipe. Et c'est le projet de la communauté scolaire de Pierre Mathieu. Je pense que, d'une manière générale, toutes les écoles le font. Et c'est vrai que nous sommes au devant de la scène parce que le projet, il est réussi, il plaît. Et le message aussi, j'espère que le message va passer. J'espère. Alors, je t'ai fait rentrer tout de suite dans le sujet, mais tu ne t'es même pas présenté, vas-y. Oui, Joël Razin, le directeur de l'école élémentaire, Pierre Mathieu. Bon, on remercie tous ceux qui ont participé. On va essayer, l'émission est déjà finie. Mais je demande à Yann, est-ce qu'on peut repasser le clip encore ou pas? Est-ce qu'on peut? Et franchement. Écoutez les paroles, regardez le clip et surtout, je pense, comprenez le message. C'est un message d'amour. Juste avant le clip, monsieur le directeur, le dernier mot. Eh bien, comme disait madame Lérimo tout à l'heure, nous voulions partager ce projet avec toutes les écoles de Guadeloupe. Nous pensions porter ce message, mais eux aussi... Elles aussi, ces écoles peuvent venir chez nous. Il n'y a aucun problème. Faire un lionnage. Exactement. Eh bien, on finit avec le clip. À demain. Yeah.
sur le gosier. Mais où décider accélérer, ou déboîter sans clignoter, ou moto passer ou manquer trappé, ou caouler ou pas qu'à garder, ou si téléphone qu'à WhatsApper. Belle richesse, hein? Et via.